Comme vous le savez, l'UNIC est en charge de la promotion à l'international de la filière équine française. Pour assurer cette promotion, nous agissons de deux manières. D'une part, en nous déplaçant à l'étranger, soit à l'occasion de salons, soit pour des missions de prospection, et d'autre part, en accueillant des prospects étrangers sur le territoire français et suivant des demandes qui peuvent varier de la recherche de chevaux en passant par la recherche de formation, mais aussi parfois de matériel. Donc nous avons ici un exemple concret. Il s'agit d'une délégation coréenne venue en France pour acheter des chevaux et des poneys. Pour répondre à cette demande, nous avons travaillé en collaboration avec la Société Hippique Française et la Chambre syndicale des marchands de chevaux, comme à chaque fois qu'il s'agit de commerce de chevaux. Nous allons donc nous déplacer sur 4 sites dans l'Hexagone pour pouvoir leur offrir une présentation de 2 à 3 fois le nombre de chevaux recherchés pour cette acquisition. The purpose of our visit is to inspect horses, and we are going to buy 37 horses. To inspect horses, we need a lot of help. Uni, SHF, CSCC did their jobs. It was great. I really appreciate what they did. In Korea, we just started horse industry, so we need a lot of things to learn from France. I expect that UNI, SHF, CSCCR do that role. Comme chacun le sait, la SHF avait une mission traditionnelle bien connue qui est l'éducation, la formation des jeunes chevaux. Et depuis 2 ans, nous nous sommes donné une nouvelle priorité qui est l'aide à la commercialisation. Cette nouvelle ambition que nous nous sommes donné de participer au développement à l'international de la filière des chevaux, nous l'avons trouvée grâce à l'UNIC. On s'appuie donc sur l'UNIC. Et puis également le syndicat des marchands de chevaux pour qu'avec ces 3 pieds, on ait une action cohérente à l'exportation. Aujourd'hui, dans le cadre du développement à l'international, la réunion des instances telles que la SHF, l'UNIC et la Chambre des marchands de chevaux permet un véritable développement de la filière française. Nous allons travailler avec la Corée, ce qui est une grande première, avec une sélection de chevaux pour une demande bien précise de chevaux de formation et des chevaux d'école, également quelques jeunes chevaux pour le sport. Ce programme nous a permis de refaire 4 regroupements en France, avec le soutien et la logistique de la SHF, qui nous a mis à disposition son programme de SHF Market, et à travers les adhérents de la Chambre syndicale, qui nous ont présenté des chevaux sélectionnés sur des critères, à savoir critères âge, qualité, aptitude, caractère. En relation avec l'UNIC, la Chambre a décidé de mettre en place un véritable suivi de ces opérations, suivi technique, véritable service après-vente, coordonné par la présence régulière de l'UNIC dans les pays concernés. Suite à cette semaine de sélection, la délégation coréenne a fait l'acquisition de 37 chevaux et poneys. L'histoire s'achève à Roissy par l'embarquement des chevaux, destination Séoul. L'UNIC est à votre service pour votre développement à l'international. N'hésitez pas à nous contacter.